什么？不知道大家有没有看过《Emily in Paris》？他就是在讲一个美国的外派人员到巴黎的生活。这部戏在网络上得到非常非常多的讨论，然后很多法国人也都在讨论这部剧。我觉得很多很多台湾的朋友们就问我们：“Emily 的生活真的是你们在巴黎的生活吗？你们每天都是去晚上去 party， 然后穿得很漂亮，然后吃好的，然后跟一大堆超帅的男生在那边打情骂俏吗 ？No No No！ 你看我们这样穿的有像是高级定制服吗？所以呢，今天我就要带你们看看法国人，他们的真实的日常生活是怎么样，还有问问法国人对于这部戏他们的看法到底是什么，我们一起来看看吧。Ça se regarde, c'est pas une série, c'est pas une grande série, mais ça se regarde, c'est pas méchant. Il y a beaucoup de clichés sur les Français. Par exemple comme par exemple, commencer tard, le mauvais caractère des Français, c'est pas forcément vrai. Est-ce que ça, c'est la vraie Paris? C'est comme ça Non. Non, c'est pas la vraie Paris du tout. Par exemple, tout s'habiller hyper chic, non, c'est pas forcément ça. Est-ce que vous portez souvent le perruque? Non, jamais. Et pas beaucoup de Français le portent. La série elle est belle. Oui, c'est rigolo, c'est divertissant. Les lieux c'est vraiment Paris, mais, c'est mais pas après, réaliste. C'est des clichés quoi. Bah, parce que c'est ce que tous les étrangers pensent des Parisiens, pas des Français des Parisiens, mais quand on y vit, il y a des gens qui ont certains traits, mais avoir tous les traits c'est pas possible. Et voilà, c'est exagéré. Agréable, sauf les jeunes gentils. Comme si les hommes étaient tous beaux. Voilà. Comme ça, on avait tous un voisin en dessous qui était magnifique. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Hein. Ah, oui, après, c'est vrai que tous les Parisiens ne sont pas hyper agréables, mais ils ne sont pas aussi désagréables que dans la série quand même. Il y a un truc qui était réaliste, c'est que pour une fois, enfin, la personne qui vient à Paris, elle a pas un appartement de 600 mètres carrés hyper bien placé. Enfin, c'est vraiment une chambre de bonne. Ça c'est réaliste. Elle est un peu grande, sa chambre. La chambre est un peu plus réaliste que ce qu'on voit d'habitude dans les séries américaines sur Paris qui ont des immenses appartements alors qu'ils sont étudiants. Bah, c'est une chambre de bonne améliorée. Quoi. Mais elle n'est pas étudiante, tu sais. Oui, elle n'est pas étudiante, elle a de l'argent déjà. Donc, c'est un peu plus réaliste quoi. Ouais, que d'accord. Non. C'est rare. Il y a eu une tendance il y a 2 ans où il y avait des filles qui portaient le béret, mais depuis. C'est rare. Là j'en ai vu aujourd'hui, mais je crois que c'était des touristes. mais après, il peut y avoir des gens avec un look comme ça, mais c'est comme quelqu'un qui porterait un bonnet, c'est un style. C'est rare quoi. D'accord.才在拍这个老先生在卖东西，现在就被警察取缔了。这就是巴黎的日常。因为巴黎有时候会街上会有卖一些可能有点像是赃物的，就是不知道从哪里拿来的东西在卖的。
这条街很特别，不管法国啊，或者是犹太、中国、印度、中东，各种各样的族群都有。然后像我们这边后面两间就是很棒、很棒、很 chic、很时尚的那种法国餐厅。然后你可以看到就是非常的法式，然后它对面呢就是印度的菜，旁边就是叙利亚的，然后还有非洲的，就是这条街很多元。其实这才是真的巴黎人生活的样貌。C'est pas tellement les clichés sur Paris, c'est le sexisme. Je trouve que c'est très sexiste, c'est fait par un homme qui, on dirait que toutes les femmes sont soit juste objets de désir ou tout le temps sexualisées, même au travail. Ça c'est quand même abusé parce que en France au travail on sépare un peu les choses quand même, surtout pour les femmes qui arrivent dans les milieux professionnels, on essaye de rester correct, j'ai l'impression, et là c'est comme si tout le monde couchait avec tout le monde. Donc ça c'est pas Paris ça. Non. Et puis bon, les chambres de pommes de 40 mètres carrés avec tout sur le Panthéon, c'est pas non plus Paris. Donc voilà, non, c'est assez peu représentatif de notre ville quand même. Voilà. Et vous? Ah ben moi j'habite à l'étranger, j'habite aux Pays-Bas et cette série est regardée par toutes mes collègues qui l'adorent et qui ont vraiment l'impression que c'est représentatif. Et elles m'ont même dit on a envie de t'appeler Emily maintenant. J'aurais dit ah pas du tout. C'est plutôt un truc pour les étrangers, pas pour les Français. Voilà. Mais c'est, peut-être ça fera revenir les touristes. Nous, on ne va pas à 11h au travail. Oui, on travaille beaucoup. On travaille beaucoup. Est-ce que vous râlez tout le temps? Comme oui. Ça, d'accord. Ça, un petit peu, mais on n'est pas méchants. Non. Non, c'est vrai que ça fait vraiment un portrait assez méchant des Français. Enfin, ouais. C'est quand même pas très sympathique. Ils sont toujours méprisants. Ouais. Je sais pas, moi j'essaie d'intégrer mes nouveaux collègues. J'espère qu'ils se sentent mieux accueillis que ça. Oui, il faut avoir beaucoup d'argent. S'ils croient que c'est ça vraiment Paris, il faut qu'ils viennent avec 400 euros par jour pour pouvoir acheter les fleurs, les macarons et être dans un taxi toute la journée, ça va. Et dans un hôtel 4 étoiles. Mais sinon, le vrai Paris des gens normaux, non, il faut prendre le métro. Il faut manger des poissons, pas des macarons. Ouais. Non, c'est pas aussi chic. Non, c'est pas chic Paris. Mais en fait, moi, je recommanderais de visiter tous les quartiers de Paris, mais ceux qui sont un peu plus vivants, où vraiment les Parisiens habitent, que ce soit le 20e ou même le 18e. Ici, ouais. Voilà, même ici, c'est... De venir un dimanche vers le canal Saint-Martin et dans les parcs. C'est très cliché et ça n'existe pas, les chambres de bonne qui font 40 mètres carrés avec vue sur Paris. Ça n'existe pas. C'est pas possible. D'accord. Oui, t'as l'impression que Paris est un village. Alors oui, Paris est un village, mais tu croises pas ton voisin 4 fois dans la journée, dans la rue. Et ton voisin du dessous n'est pas forcément un beau gosse, faut arrêter. C'est vrai. Pas souvent. Ouais. Donc c'est un peu trop cliché et faut pas penser que Paris c'est comme ça parce que vous allez être déçu. Mais je pense que en fait Paris c'est assez différent d'un quartier à l'autre et en fait là la série ne montre qu'un Paris. Il y en a plusieurs, il y a plein d'ambiances différentes d'un quartier à un autre. C'est ça qui est aussi beau à Paris. Et du coup, c'est pas trop montré dans la série. Faut se balader, faut voyager, faut parler en genre. Les Parisiens ne sont pas tous des snobs et, oui. Et ils ne font pas que râler. Et il ne fait pas toujours beau à Paris. C'est parce que là, c'est un point de vue. Point de vue américain. Peut-être. Point de vue américain peut-être, mais ouais, il faut pas. Vous allez être déçus si vous pensez trouver le même Paris. Present, you know.
性，然后他们也是觉得，这部电影可能就是可以给外国人带来一个很美好的巴黎幻象、巴黎的憧憬，但是它真的是不是真实的巴黎。我觉得 Emily in Paris 它当然是一个美国的观点的投射，那对于真实的巴黎来讲，它也没有，我也不会说它是不好，也不会说它是好，我只是觉得它不够真实。那刚刚很多巴黎的受访者也是觉得同样的想法，就是他们很怕就是这样子的巴黎，这么干净的，然后没有任何问题的巴黎，那会让那些从国外来的人看到了之后，他们就觉得很失望，说巴黎其实它值得一个更好、更真实、更贴近生活的一个描述、一个描写。那我觉得就是我刚刚讲的，他们的巴黎它并没有比它并不是更好，也不是说它是更坏，只是它应该是更多元，就是巴黎人生活的真正样貌。因为很多人问我们说，Emily in Paris 到底是不是真正的巴黎？那我想这个刚刚已经给大家看到的答案，就是它跟真实的巴黎不是一样的。那可能 Emily 她是一个上流阶层吧，我只能说她住的生活是上流社会阶层的最精致的样貌。那就是这样啦，今天的影片就到这边，希望大家会喜欢，我们下次见，拜拜。Judy in Paris, action!